Rappelez-vous de ces camps barbares, de ces maudits barbelés, du silence, de ces personnes disparues, de leurs cauchemars, de ces marques éternelles, de notre liberté séquestrée, des traditions oubliées, de notre dignité envolée, de notre humanité arrachée. Une musique qui s'éteint. Huit chevaux ou 40 hommes. D'ailleurs, vous n'avez peut-être jamais vu de wagon en bestiaux, mais c'était marqué dessus. Eh bien, ces 8 chevaux ou ces 40 hommes, plutôt les 40 hommes, vont se transformer en 100 personnes. Donc, on va nous enfermer, on va m'enfermer, moi, le jeune étudiant de 17 ans. Alors, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, ce qui peut se passer dans un endroit pareil, où toutes les ouvertures sont condamnées et fermées avec du fil de fer barbelé, que la porte d'accès métallique est resserrée brutalement, également bardé de fils de fer et avec des verrous, des, comment on appelle ça, fermé à clé. Suivant l'idéologie nazie, déporté, car je viens de devenir un déporté, est un être contagieux, plein de vermine, pas intéressant du tout, genre vaut rien, en plus c'est surtout un terroriste. Donc c'est un individu qui devra être plus ou moins vite supprimé. Si c'est un homme, Primo Levi. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant, à table mise, des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir. Les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Ich bin kein Stück. Je ne suis qu'un adolescent de 15 ans qui était juif et résistant. Lorsque je suis arrivé au camp des Orientés, on m'a désinfecté, on m'a humilié. On m'a donné un pyjama rayé, troué, mais par chance, il avait une poche raccommodée. On m'a enlevé mon identité. Sur mon bras, un nombre est tatoué. Je ne sais plus qui je suis, après toutes ces péripéties. On me dit que je suis un Stück, mais moi je me répète inlassablement, Ich bin kein Stück. Il faut souffrir en silence et faire face à la violence, errant debout dans le froid, les heures passant avec désarroi. La mort est là, à quelques mètres de moi. J'étais un homme ordinaire qui ne sera bientôt plus que de la poussière. Ich bin kein Stück. Ich bin kein Stück, nein. Alle sagen mir, dass ich eines bin,
Aber nein, ich bin damit nicht einverstanden. Ich bin nicht die Nummer 4355. Ich bin kein Stück. Ich will von Auschwitz rausgehen. Ich will meine Familie wiedersehen. Ich vermisse sie und liebe sie so sehr. Ich kann ohne sie nicht leben. Ich bin kein Stück. Ich habe Erinnerungen. Ich erinnere mich an die guten Momente, die ich mit meiner Familie verbracht habe. Ich bin in einem Vernichtungslager. Es ist schlimmer als die Hölle. Die Arbeit ist so hart. Man bekommt nicht viel zu essen. Aber ich will überleben. Ich will meine Familie wiedersehen. Und ich will mich befreien. Nein, ich bin kein Stück. Ich bin kein Stück. On nous a retiré notre droit de penser. À présent, nous ne sommes plus que des numéros, sans aucune liberté. On se fait humilier, mais ce n'est rien, à côté de la souffrance que nous pouvons endurer. On nous traite comme des chiens, pire que des moins que rien. Nous suivons comme des enfants, car nous sommes ignorants. Afin de nous donner de l'espoir, nous chantons, en espérant de ne point nous faire entendre ni voir. La détermination de revoir nos proches est bien plus forte que l'oppression. Même si on parvient à s'échapper du camp, la vie est très loin d'être comme avant. Ich bin kein Stück. Ces quelques mots, tous les détenus se les répètent, afin de ne pas oublier qu'ils sont des hommes et non des bêtes portant un numéro. Ich bin kein Stück. Et je crie ces mots de résistance. Ich bin kein Stück. Suis-je un objet? Suis-je un animal apeuré? Suis-je un numéro? Suis-je un morceau? Ma dignité s'est envolée. Ma fragilité est brisée. Ma sensibilité est usée. Mes sentiments éprouvés. J'ai faim, mais je pense. Je pense. J'ai froid, mais je peux aimer. Je peux aimer. Je peux être triste ou gai et admirer la magnificence. Mes espoirs sont entiers. Ma liberté sauvegardée. Mes pensées libérées, mes facultés ressourcées. On a tenté de me déshumaniser, mais j'ai su résister. Malgré les difficultés, je respire en paix. Peuple ouvert à tout le monde, hein. C'est ça. Ça et seulement la plupart des gens, voilà, quelque part on a tous une étiquette parce qu'on est gitan. Vous pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas à notre place, mais je veux dire, un gitan pour beaucoup de gens, c'est le voleur de poule, c'est un peu le voleur, c'est un peu le truand, c'est un ça, peu voilà. Le, oui, c'est comme. Parce que l'instrument de musique, pour nous, c'est la vie. Voilà. C'est notre joie et c'est notre vie. C'est l'instrument de musique. Ça peut aussi être une des entrées dans notre film. Oui, tout à fait. Oui. Que l'instrument de musique, que la musique, c'est la vie. C'est la vie, voilà. Et le partage. Hein. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça, avoir sous forme de chant, un hommage aux gitans qui sont disparus, c'est une belle revanche, parce que finalement, c'est... L'être humain. Thank you.
ma vie entière, où mon cœur s'envole à chacun de leurs sourires et se déchire à chacune de leurs larmes. Je suis un résistant gitan, le résistant de ma patrie, qui ne se laissera pas abattre par leur torture inimaginable, qui gardera toujours la tête haute afin de leur montrer que nous sommes toujours là, qui résiste pour vivre et montrer qui je suis. Je garde mon amour pour mes proches, mes sentiments, mes émotions. Je connais mes racines, mes origines. Je continue à penser et réfléchir. Et c'est ce qui fait de moi un homme libre. Garde espoir de me retrouver un jour dans la nature, à embrasser la terre tellement elle est précieuse, tellement la nature est belle et tellement les rayons du soleil qui ont caressé ma peau cet été me manquent. Je suis un homme et je garderai en moi mon âme et ma propre pensée, ainsi que mon nom et mon identité, au nom de l'humanité. Quand vais-je guérir de mon passé? Je dois chercher au fond de moi mes peurs et mes blessures, tout ce qui fait de moi un homme sans armure. Comme un ciel sans étoiles, comme un feu qui s'éteint, comme le froid qui saisit, comme ces rivières qui meurent, mon cœur pleure. Aujourd'hui je m'habille en habit d'arlequin, aujourd'hui je veux vivre le sourire à la main, je veux être un soleil, la lampe d'Aladin, je veux sentir vos cœurs battre dans ma poitrine, j'ai besoin d'exprimer tout l'amour qui m'anime, comme un sculpteur qui donne vie à l'argile, un fou amoureux du ciel et de la terre, et qui parle d'amour au milieu de la guerre. Wir kommen und mit unseren
Jewish Leben needs me blood and me me blind. Senegal in the Funnagel of the Fly. As all the fall of Twitch and Fall and Dickeven. Those Lick is hung and me in a ganze in the end. As all the fall of Twitch and Fall and Dickeven. Those Lick is hung and me in a ganze in the end. So Nickel Molado gained them lit and they. Vous êtes des hommes. Ihr seid Menschen. Hanna lauter morsch. Was ist saun amesch? Siz adamsınız. Ustedes sind hombres. Sono uomini. Antum rijal. Juli sein Männer. Voi sunt you are human beings. Silence is impossible. Schweigen ist unmöglich. Se taire est impossible.